Bien le bonjour à tous, ici Chouki0030 pour la partie 4 de cette aventure exceptionnelle au tréfonds d'une cité aztèque ou je ne sais quoi, avec notre boule que l'on va commencer par placer là-dessus probablement. Non, ça ne fait rien. Donc à mon avis, c'est moi qui vais devoir aller là-dessus. Et c'est parti. Bon. Un bouton pour moi. Les machins bougent. Oh là là, ouais, d'accord, okay, il va se passer quelque chose ici. Et là, oh, un petit secret caché derrière les plantes. Waouh, super. Un homme s'est aventuré dans le lieu interdit et a été trouvé par les gardes du roi des dieux. Ses rêves l'ont empoisonné, disent-ils. Ah, c'est ça. Le faisant passer outre la plus importante de nos lois. L'exécution fut rapide. Une tête hurlante s'élève au-dessus des portes du palais plantées sur la pointe d'une lance en or. Je crains que ce ne soit que le premier. D'autres têtes se tiendront là avant la prochaine pleine lune. Oh là là. Oh là là, oh là, c'est... Trop bien, trop bien. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai appuyé sur le bouton. Ce qui me permet de sauter ici et ce qui me permet de sauter là. Jusque... Du coup, ça m'a fait baisser. Ok. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, et je peux aller là. Mais, en effet, il ne se passe rien de plus. Donc, il va se passer... Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va... Ça n'a pas l'air très compliqué. Il suffit de... Ok, j'appuie sur le tombeau. Ok, je passe par là. Et là, celui-là ne bouge pas, en fait. Ah mais, s'il bouge... Oh le con, oh, le con. Attends, mais comment je peux faire cette merde? Il y a un ordre. Oh, oh. Ok, je suis mort. Je sais pas si je peux pas finalement envoyer la biboule par là. Et si ça peut, elle peut m'aider à faire quelque chose ou quoi. Oh merde. En fait, c'est une question de rapidité d'exécution de saut. C'est-à-dire qu'il faut que je saute vraiment... Faut que je suive le petit parcours. Le petit parcours, là, il est pas déjà tracé. Non. Ok, je vais passer par là. Par là. Oh, merde! Oh là là, mais c'est vraiment de la... Ah, j'aime pas commencer une vidéo comme ça, c'est pas... Parce qu'en plus, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça fait un passage différent, quoi. Ils sont placés différemment. Oh. Putain. Il faudrait peut-être que je réussisse à comprendre l'ordre. J'appuie dessus comme ça. Ou alors je continue d'appuyer jusqu'à ce que ça crée un chemin. Ah non, mais je peux appuyer qu'une seule fois quoi. Alors attends. Ah, le truc me paraît pas si difficile que ça, quoi. Mais en fait, c'est juste que là, je... Ou alors, là... Oh, yes. Yes. C'est bon. Yes.
là il faut juste que je fasse rouler bouler là-haut. Non mais là par contre ça va être chaud. De toute façon le truc c'était juste de faire descendre ce machin. Donc là je peux descendre par là, c'est sûr, cela est une évidence. J'ai juste à le mettre ici, la boule, faut pas qu'elle bouge. Et là j'ai juste à aller, enfin j'ai juste. Il faut que je fasse monter la biboule pour qu'elle aille toucher le bordel. Normalement si je fais ça, ah ça y est. Et voilà. La porte est ouverte, c'est bon, on peut y aller. Allez, tombe. Bon. Voilà les singes. Putain, ça fait longtemps qu'on en avait pas vu ces collards. Allez, je pourrais l'avoir quand même, le trophée, là, les 30 singes détruits. Oh, on a de la compagnie, là-bas. Oh là, il y a un truc un peu plus gros, là. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? On a des espèces de tortues. Ouais, ça, c'est quoi, ça, là? Merde! Oh, il y avait des espèces de... Attendez, je vais bouger le micro. Mon micro est un Blue Yeti, dès qu'on le touche à peine, c'est ultra sensible ce genre de micro. Ouais, on a une nouvelle catégorie de la nuit, mais bon. Waouh. Ouais, on les a entendus arriver. Hein. Ils sont pas discrets quand ils arrivent. Oh merde. Ou le peuple de la cité. Ce qui est assez intriguant dans cette histoire, c'est pourquoi les anciens habitants de cet endroit en fait se sont zombifiés quoi. Bon, alors là, je suis vraiment coincé quoi. Non, c'est bon. Je ne pouvais plus reculer. Là derrière, il se passe rien. Continuons d'avancer. Wow. Ah, je me rappelle de cet endroit. Point de passage, parfait. Bon bah après c'est exactement comme... Alors on pourrait croire que la complexité des lieux en fait fait que les énigmes vont être compliquées, mais en fait c'est juste des salles finalement, c'est vraiment... Là par exemple on a deux salles, une à gauche, une à droite, et bon on va aller à celle à droite et on va accomplir ce qu'il y a à faire dans cette salle quoi. Là, tout... Oh la merde. Elle ouvre ma boule, elle ouvre ma boule, elle ouvre ma boule. Oh là, elle ouvre ma boule. Putain la vache la boule. Elle était derrière moi quoi, elle arrivait pas à passer dedans. Ok, donc c'est très simple. Comment on va faire ça? Il faut calculer le truc. Donc là, on a des petits machins à activer. Ok, ça tourne. Qu'est-ce qui se passe quand ça... Apparemment, il se passe... Ah, ça a ouvert ça. D'accord, donc ça a allumé un bordel. Donc à mon avis, il y a trois lumières à activer. Hein? Non, je sais pas. Ok, donc là-bas... Non, ça ouvre pas... Ça ouvre... Ok, là, il faut mettre le cube. D'accord, très bien. Ok, donc il faut... En fait, il faut que tout s'ouvre. Là, il faut que ça s'ouvre. Voilà, donc là, je vais mettre la boule dedans. Et en fait, il faut que tous les trucs soient activés au même moment. Ok, la boule est là, et donc là je fais tourner pour que ça s'ouvre, voilà, et là normalement, voilà. Ok.
Bon, ben, première énigme faite, je crois. Et voilà, ça fait baisser le poteau. Et une fois qu'on aura accès au poteau... Oh quoi, il s'est baissé un tout petit peu. Hein. Une fois qu'on... Le but, c'est d'aller appuyer sur ce qu'il y a dessus. Ah, voilà, en fait, c'est pas complexe. Hein. C'est juste des petites salles comme ça, avec des petites... des sortes de mini-jeux, finalement. Des petits casse-têtes. Mais c'est sans plus, en fait. Même pas des casse-têtes. Hein. Voilà. Allez. Maintenant, on va en face. On va voir ce qui se passe en face. Et au fur et à mesure, on va descendre jusqu'à atteindre l'endroit, là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a des zombies qui vont arriver. Non? Alors, voyons voir. Là, on a un petit secret ici. Bon, on peut pas y arriver pour le moment. Quoique, aussi, on peut passer par là. Oh, yes, non. Putain, c'est dommage. Hein. On va voir ce qu'il fait quand on tape ça. Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a... Ah, d'accord, les machins bougent. Ok. Donc, est-ce que ça s'est bougé dans le bon sens, en fait? On va voir. Donc ça, on en a pas besoin. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et là... Ouais, ben, on a trouvé le truc pour pouvoir aller... au moins chercher la tête, non? Mais si, on l'a, normalement, la tête, on peut l'avoir. D'accord, ok. Je veux le secret. Taras. Tu vas... Ah, con, le machin réagit pas assez. Bon, vas-y, ça me met sous, là. Donc, moi, quoi qu'il arrive... Là, ça ici. Ça, là. Ah oui, d'accord, ok, on peut passer par là, et ensuite aller ici, d'accord, ok. Oh les cons. Allez où ma boule? La boule. Yes, c'est bon. Oh, cette fois-ci, c'est tombé beaucoup plus. Niveau terminé. La petite frayeur avec les... mais par contre... moi, j'abandonne pas le secret comme ça. On va... Le secret, il est là. Faut pas non plus déconner. Je veux connaître l'histoire. Normalement, là, c'est bon. Là, le passage, il est fait pour qu'on y aille, là. C'est logique. Merde. Eh ben, voilà. C'est juste que le saut, faut le faire au poil de cul, quoi. Les offrandes ont cessé. Remercions les dieux. Ils disent que le vent s'est calmé dans la cité d'or. Cet air frais qui souffle dans la steppe souffle aussi dans les hautes terres. Les gens changent, deviennent pâles de fatigue. Ils disent que c'est l'effet de la vie souterraine, loin du soleil, une conséquence d'une fausse lumière. Désormais, ils ressemblent plus à des dieux qu'à des hommes. Oh, c'est comme ça qu'ils sont devenus des momies, en fait. S'ils ont vécu trop longtemps sous terre.
Ok, donc on peut poursuivre notre chemin et partir. Non, plus bas même. C'est là-bas que ça se passe. Putain, mais... Un ennemi isolé. Le mec, il est arrivé tout seul. Bon, on va aller de ce côté-là. On va voir ce qui se passe par là. Ok, il y a. Bon, ben... Ah! Oh merde. Ma balle. Ils ont pris ma balle. Ok, il y a un ascenseur ici. Donc je pense que la finalité de cette énigme, c'est de remonter par là via l'ascenseur. Regarde un petit peu aux alentours. S'il n'y a rien d'autre à faire. Non, bon ben je vais tomber avec ma balle. Ah ok, donc moi je suis carrément passé... Ok, donc là on est dans un endroit un petit peu souterrain. Et là, on va faire rouler la biboule. Ah merde. Ah oui, il faut que je déclenche le... d'accord. Ouais, ça me fait des dégâts, mais bon, ça tue les zombies. D'accord, je peux pas passer par là, semblerait-il. Faut que j'aille charger la balle en picot. Merde, j'ai loupé le truc. Hop là. Voilà. Maintenant on peut passer par là. Ah de merde. Et en plus là je suis en train de me faire chier pour... Non, j'allais dire je suis en train de me faire chier pour un seul truc. Ah. Si je suis sans arrêt en train de sauter, c'est parce qu'il y a une espèce de bunny jump. Ah, quand maintenant ça se fait de ce sens là. Oh bordel. Oh bordel. C'est à dire que on a tendance à avancer un petit peu plus en sautant, un petit peu plus vite en sautant. Et là ça se ressent clairement dans ce jeu. Oh merde. Ah quoi, on va y en avoir combien là des trucs Il est rechargé là. Ok. Parce que là j'ai que 43 de vie. Et ils vont m'attaquer. Allez. Ah, il faut qu'elle passe par... Ah, d'accord. Allez, viens, viens. Oh là, il me cale, il me cale. Oh là. Ça y est. Oh, bordel. Oh, le bordel. Et là. Yes. Ah, c'était plutôt bien fait. Par contre, je me retrouve, j'ai 27 de vie. J'ai 27 de vie. C'est un peu la merde, tu vois.
Alors, comment ça marche ici? Si je tape... Ah, ça a tendance à se relever. Ah ouais, ça se relève par là, si je vais le voir là. Ok. Donc je peux y aller qu'à pied. Hop, hop, hop. Oh, sérieux? Et donc celle-là, elle était super dure d'énigme. Oulala. Là, on a un truc un petit peu plus complexe, à savoir que en fait, je sais plus où c'est. Je crois que c'est là. Voilà, il va y avoir un petit secret. Alors, je sais plus où il est. Je crois qu'il est là-dessus, là-haut. Voilà, je peux faire venir la boule ici. Là, il y a un secret ici, on le voit qui tourne. C'est le dernier secret de la zone. Et je sais pas si j'avais réussi à l'avoir ou pas quand j'ai joué la première fois. Parce qu'il y a tout un espèce de petit cheminement comme ça à la con. Donc là, je vais faire rouler la boule par là. Merde, c'est vrai que moi, je vais avoir une difficulté. J'essaie de rester avec le, avec elle. Ah merde, non, je peux pas là. Comment je fais pour baisser ça? Parce qu'ici, moi, j'ai rien. Ou alors... Ah, comme ça. Ah, ça, d'accord. Il y a des petites méthodes comme ça qu'on n'applique pas tout le temps, en fait, qu'on applique pas assez régulièrement pour s'en rappeler tout de suite, quoi. Ouais, faut que je fasse quand même gaffe, parce que si la boule sort du rail, moi, je me retrouve con. Il faudrait que je sois devant l'aile. Attends, est-ce que je peux monter dessus? Merde. Par où je peux monter? Ah, peut-être ici. Ils ont mis peut-être ça là. Oh! Ah, je pensais qu'il y avait un truc caché derrière les tonneaux. Hop! Ok, très bien. Ok, hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà, nickel. C'est pas évident là, sur le coup. Hop, hop, hop. On va la faire venir doucement. Ah yes, ah non, mais d'accord, ok, il restait encore une... Ah mais j'ai bien fait. Ok. Et donc je pense que... Alors moi je pensais que c'était un truc qui activait quelque chose pour pouvoir avoir accès à au dernier secret. Mais alors je pense que pour avoir accès au dernier secret, c'est assez simple à ce moment-là. Enfin, c'est peut-être pas si simple que ça, mais... Il va falloir monter sur la bouboule. Putain, attendez, je sais pas comment faire. Ah merde, je suis trop... Ouais, mais merde. La faire tomber. Ah, il y a un petit... Regarde. Il y a un petit strapontin, là. Il va nous permettre d'accéder. Là, là, ici aussi. Là, là, non, parfait, là. Là, ici, c'est parfait. Là. C'est là, c'est là ici qu'on accède au secret. Merde. Ça c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, Gisèle. C'est pas évident, Gisèle. Ok.
Je peux la pousser un petit peu comme je le souhaite. Voilà. Nickel. Là, je me mets là. Comme ça, je peux monter sur les petites planches en bois qu'il y a ici. Ensuite... Merde. Hop, je me mets là. Hop. Oh, merde. Je vous promets que je vais l'avoir. Je vous promets que je l'ai. Le secret, je l'aurai. Chut. Je peux pas juste monter comme ça dessus. Yes, yes, yes. Oh, merde. Je peux pas abandonner comme ça là, le truc je le vois, il faut que je comprenne parce qu'à un moment donné si t'abandonnes sur ça dans ta vie, t'abandonnes sur tout. Putain, il me faut juste... Alors attends. Oh merde, attendez. Hop. Hop. Si je la fais rouler un petit peu plus vers là. Ok, comme ça. Ok, que je fais comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Eh, hey, on commence à avoir un petit peu... Ah, je m'en tamponne, je vais y arriver. Tiens, on va éviter de... On le voit que c'est fait pour ça, regarde, on le voit là. Yes, yes. Bon. Je trouve que ça fait un petit peu loin. Je trouve que ça fait un petit peu loin. On va quand même le tenter. Oh putain! Oh j'y étais. C'est un pixel. À un pixel près, on est bon. À un pixel près, on est très bon. Un pixel. Un pixel. Non, ça, vas-y. J'abandonnerai pas. Je ne l'abandonnerai pas. Ta mère. Je me laisse encore 3 minutes. Après, je me casse. C'est bon. Parce que... Que le jeu... Oh non, merde. Non, mais il y a un truc qui me... Putain, il y a un truc qui me dévie quand je shot la Saras, là. Après, que le jeu te... fasse une... Attends. Là, c'est bon, là. Yes. Ok. La nuit a été vaincue. Jamais plus la peur de l'obscurité ne sera un fléau pour le peuple de la nation Tept. Nos murs brillent d'une flamme perpétuelle. Pour aussi longtemps que le sol brûlera, il y aura toujours de la lumière. Le pouvoir du jour a été conquis et exploité comme tout le reste. Il n'y a pas un exploit dont nous ne soyons capables. Que frissonnent les dieux. Ouais, ce que je disais, c'était que... le jeu, il peut te faire des énigmes, il n'y a pas de souci, des énigmes qui peuvent être compliquées. Mais il faut pas après que finalement le level design soit mal foutu. Et que ça rende une énigme difficile. Voilà, c'est tout. Ils auraient dû rapprocher le truc un petit peu plus près. J'aurais dû réussir à le faire à la première ou la deuxième tentative. Faut pas que ce soit au poil de cul. Voilà. Oh merde. Ok, donc là je vais appuyer sur le bouton. Donc avec le vol. Oh, les portes se sont ouvertes. C'est beau là, hein, t'as vu? Ah, faut que j'aille appuyer.
Ah, c'est un King Kong tout cramé là. Ok, j'ai explosé. Non mais j'avais plus de vie aussi, hein. J'avais plus de vie. Oh mais l'affrontement va se faire trop facile. Non. D'accord, en fait il faut que je le mette sur la... Bam! Ah oh, il a le feu au cul. Bam! Dans ta gueule! Faut juste que j'arrive à le placer sur la ligne de tir en fait. Oh le bâtard! Il veut pas que je me protège avec ma bouboule. Ok, à chaque fois que je le gêne avec la boule, il se stoppe en fait. Donc là il faut qu'il arrive là. Tac, et clac. Bam! Et c'est bon, il est mort. Oh ce vieux pied là, regardez ça qui... Une fois qu'on comprend le... On comprend la strat, c'est vraiment pas difficile. Par contre c'est vrai que bon, je suis mort parce que bon, j'avais 27 de vie. Il m'a mis un coup, il m'a séché quoi. Le pont. Le pont. Oh là là, il y a quelqu'un là-bas. Le mec, il nous suit. Vas-y, vas-y, la boule, rentre-tu dedans. Il va fermer la porte au moment où la boule va arriver. Oh, oh, oh le bâtard. Oh, con. C'est bon, il se passe rien. Il se passe rien, calmez-vous, c'est bon. Bon là, de toute façon, nous, on a trouvé toutes les secrets, donc il n'y a plus rien à chercher. Voilà, je me méfie maintenant quand les portes s'ouvrent. Ça doit être le seul niveau où j'ai réussi à trouver tous les secrets. Mais quel magnifique ascenseur. Oh non. Le mec il s'amuse en fait. Il s'amuse à nous faire des énigmes. Alors là, j'aime bien les ascenseurs parce que quand tu sautes comme ça, après c'est, ça te fait faire des grands sauts, tu sais. Comme si t'étais en apesanteur un petit peu, tu vois. Ouais, 34 minutes, on va continuer, on va aller jusqu'à un prochain point de sauvegarde. Une espèce de tank. En fait, le tank est conçu pour fonctionner avec la boule. Ok, je suis dans le truc. Et là, j'avance. Je recule. Oh, c'est génial.
Oh yo yo. Les pyramides. Dans un grand cataclysme, les cieux tremblèrent, et les gardiens descendèrent sur terre. Les sables se changèrent en verre, le ciel inondé par la lumière de deux soleils. Ils protégèrent les gens à l'intérieur de la violente montagne. Là, ils leur enseignèrent. Alors, l'humanité put prospérer. Bon, ben avançons-nous vers la première citadelle. Ok, il y en a trois dans les trois, ben va falloir faire réaliser des. C'est pareil, hein, c'est toujours la même chose en fait finalement. Ah, il y a des singes. Ah, ils sont là. Les connards des singes, ils sont là. Oh, con, je l'ai loupé. Il s'est enfui. Essaye de se barrer, c'est bon. Quand il y en a un autre là. Oh, il se l'est pris sur le sommet du crâne, quoi, la boule. De passage. Alors, comment ça se passe par ici? Ok, on a un truc là-bas. Ah ben voilà, je peux y aller. Oh, ah mais merde, il est juste là le truc. Oh con. Quoi depuis tout à l'heure? Ok. Ils ont bien fait de mettre un point de passage juste avant quoi. Je peux toujours y aller. Je m'en prends une, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis un héros. Chut. C'est bon, j'ai appuyé sur le bouton. Vous ne mourrez plus. Je sais pas ce que ça a actionné, mais. Ça a ouvert la porte qu'il y avait ici. Allez, va là-bas. T'as compris, je dois sauter sur toi. Hop là, et sauter ici. Non, reste ici, reste dans le carré. Hop, hop. Aha! La biboule. Alors, attends, on va faire. Hop. Normalement, elle va là. Après, si je peux la faire venir par là, ça serait cool si. Ah, comment elle retombe là-dedans. Aïe. Eh ouais, mais le problème, c'est que. Voilà, nickel. Hop, hop. Bien joué. Ça fait. Ok.
Quoi, il y a des espèces de gros coccinelles, quoi. Vas-y, va y les écraser. C'est quoi ces merdes? Sans déconner. Qu'est-ce que ça sert? Oh là. Ah. La boule. Ouais. Je sais pas ce que ça... Je sais pas trop ce que ça signifiait, ce symbole. En tout cas... Oh merde. Va écraser ces merdes là, s'il te plaît. Oh là. Là c'est qu'elles sont résistantes, c'est quand? Alors autant les... j'ai envie de dire autant les... Les zombies, je peux comprendre, autant les espèces de coccinelles géantes des profondeurs, c'est particulier quand même. Ceci est un bestiaire qui n'a pas de sens. Putain, j'ai vu un truc actionner là. Ah ouais, voilà, il était là. Oh, c'est une vieille porte en métal. En fait, c'est une espèce de semi-labyrinthe ici, tu vois, il y avait un petit passage ici aussi, tu sais, qui pouvait... mais on va voir, on va essayer d'y passer, peut-être qu'il y a un secret caché. Non, non, bon, il y a que dalle en fait. En vrai, il y a rien. Ah, ah, il y a quelque chose là. Ça là, dans le doute. Ah, je peux même pas l'écraser, quoi. Je peux même pas l'écraser dans le doute qu'il se réveille. Ok, donc il va falloir aller par là. Ah oui, mais de toute façon, c'est un ascenseur ici. Donc là, je peux y aller que tout seul. Oh. Oh, nom de Dieu, regardez. Un verre. Bam! Il a défoncé le mec. On dirait... Oh putain, il est vraiment pas beau, n'est-ce pas? Il faut... Voilà, il faut vraiment rester... Oh, oh. Oh. Voilà, faut rester éloigné de lui. Ah tiens, brûle, brûle. Ah, ça fait mal, hein. Voilà. Bon, c'était pas compliqué, hein, de tuer ce truc. Ah, regardez, il a une espèce de... Le truc est en deux parties, regardez. On regarde pris, et en deux parties, on dirait une espèce de jouet, tu sais, jouet club. Et voilà, et là on a gagné. On va au sommet. Ah ouais, c'est des espèces de jouets emboîtés comme ça. Là. Nous allons au sommet. Et qu'est-ce qu'on va faire au sommet? J'en sais rien. Je crois qu'il y a des espèces de gros panneaux comme ça qu'on va devoir bouger pour générer de la lumière finalement dans toute la zone. Hop. J'ai l'impression d'entendre des bruits. Ah non, c'est du vent.
Hop. Ok, point de passage, partie sauvegardée. Bon bah écoutez, 46 minutes, je vais pas attaquer une autre pyramide maintenant. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Donc je vais arrêter la partie la partie 4 ici. Et on terminera cette zone dans la partie 5 qui arrivera vraiment très rapidement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.